On va rajouter une... Bien sûr, regarde. Ça, c'est devant du mur. Oui, c'est ça, ouais. Ouais. Ça, c'est devant du mur. Il y a chien dedans, tu vois. Oui, on voit les pierres. Donc là, on ira doucement, là. Ouais, on est devant, là. On ira tout de suite, on va laisser un. Par contre, ça, c'est dur. Par contre, celui-là, il va prendre la flambée, là. Oui, la flambée. Ça sera tenté d'aller racines, là. Donc. Ah, même le panneau, hein. Ça, c'est la coupe du mur, ça. D'accord. Donc, première chose, quand on se pose devant un truc comme ça, la première chose, on détermine la hauteur du soutènement. Ah, tiens, il y a quelqu'un, on va du renfort. Ouais, c'est la presse. C'est la presse, c'est le progrès. Donc tu vois, bon allez, on dit 2 mètres. 2 mètres. Ouais. 2 mètres de haut. Donc 2 mètres de haut. Donc si on faisait un mur tout neuf, là, et si on faisait un mur tout neuf, il faudrait qu'on fasse des fouilles. Ouais. Il faudrait qu'on creuse. Et la largeur des fouilles, ce sera la moitié du soutènement. La moitié de hauteur. Donc 2 mètres, 1 mètre. 1 mètre de large. Donc on remplit tout ça. Et après, au niveau du sol, là, comme on va le faire, on commence le mur. C'est le tiers de la hauteur, après. Ah oui. La largeur du mur. Le tiers de la hauteur. Donc 60 ou 70. Donc là, il faudrait que logiquement, on soit 60 en retrait. D'accord. On va pas qu'on dégage. On peut encore dégager. 60 en retrait. Donc. Oui, la pierre étant là, toi. Voilà. Si elle est bonne, là. Oui, elle n'a pas dû bouger beaucoup. Donc, voilà. 60. Salut, Marie-Claude. Bonjour. Vincent. Bonjour, vous allez bien? Bonjour. Très bien. Là, vous avez trouvé? Tout de suite. Mais je sors chez Corinne. Ah. De chez... Non, j'avais rendez-vous en mairie, donc elle m'a expliqué. Voilà.